Holmes. Trop bien. Ici. Hein? Hey, y a une place de libre à côté de moi. Et cela va de soi, c'est la meilleure place qui soit. Merci. Moi c'est Alex, mais tout le monde m'appelle Switch. Moi c'est Karma. Waouh, ton bracelet est trop cool. Merci, c'est moi qui l'ai fait. T'es douée parce qu'il est génial. Et sinon, t'aimes bien la musique? Ah, en fait, j'adore faire des beats, des hoops, collectionner des disques et bien sûr voir des concerts. J'adore aussi jouer du... Oh, ouais, j'avoue, j'adore la musique. La voilà, c'est Karma. Karma, hein? Viens par ici. Tu l'as fait pour moi? Ouais, pour te remercier de m'avoir invité à m'asseoir à côté de toi hier. T'es super cool, Karma. Sème de l'amitié, tu auras de l'amitié en retour. Je suis désolée, l'orange. Oh, je viens de la donner à Switch. Hein? C'est parce qu'elle avait faim. Mmh. Qu'en veux? Switch, franchement, t'es trop drôle. T'es trop génial. Salut. 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 Ok, t'as pas touché à tes pommes de terre sautées. C'est qu'il y a un truc qui te tracasse. C'est quoi? Crash m'a dit que les filles étaient incapables de faire du vrai rap. Quoi? Mais c'est n'importe quoi! Bien sûr que les filles peuvent faire du vrai rap! C'est évident! Je crois aussi qu'elles devraient pouvoir, mais si moi, j'en étais incapable. Karma, tu rappes tes propres rimes et tes paroles sont vraiment excellentes! Ouais, je confirme! Mais tout l'intérêt du rap, c'est de pouvoir monter sur scène et de donner une interprétation de ta musique! Et j'ai complètement raté mon intervention. Ça confirme ce que Crash m'a dit. Pfff! Il t'a déstabilisé, c'est tout. Rater ton intervention ne veut pas dire que t'es incapable de rapper. Exactement. Dans mon ancienne école, on m'a dit que l'informatique, c'était pour les garçons. Mais ils avaient tort, ils avaient faux sur toute la ligne. Parce qu'on peut toujours être ce qu'on veut, qui on veut, comme on veut, quand on veut, où on veut. Donc en clair, les filles sont capables de tout faire. Ouais, je suis d'accord. Et je veux être chercheuse dans les domaines de l'informatique et de la communication pour inventer de nouvelles approches des systèmes informatiques. Résoudre des problèmes informatiques complexes pour les entreprises, le secteur médical et la science. Voilà, j'ai fini. Ouais ! Bravo ! C'était très bien, Switch. Tiens, tu sais ce que c'est tout ça ? Oh ! Ça, ce sont des câbles Ethernet. C'est parfait pour jouer aux jeux vidéo, faire du streaming, concevoir des projets et... Ce sont des câbles d'ordinateur. Fallait le dire tout de suite, Switch. Tu crois qu'il fonctionne encore? Bien sûr. Tiens, regarde. Si on prend celui-là, qu'on le branche là et là, ça devrait marcher. C'est génial. Elle est super douée. Je pourrais remettre en marche tous ces vieux ordinateurs. Hé, ça pourrait être mon projet « Prends soin de ton quartier ». Excellente idée. Mais tu crois que tu auras fini à temps pour la représentation qui clôture la semaine? Switch, t'en fais pas, je vais t'aider. Je suis ton assistante informatique pour la journée. C'est vrai, Karma? Bien sûr que je le suis. C'est génial. On a des câbles de rechange si certains sont... Quoi? La session slam des poètes en herbe. Envoie-nous ton poème dans lequel tu décris ton coin de paradis. Le grand gagnant aura son poème lu en direct à la télé. Oh, Switch, toute la ville pourrait entendre mes rimes. C'est énorme. Sur quel endroit je vais bien pouvoir écrire? Le restaurant? Non, je sais, le parc. Non, Madagascar. T'as déjà été à Madagascar? Non, mais c'est peut-être mon coin de paradis, je le sais pas encore. Ouais. On va devoir récupérer des fournitures informatiques que j'ai à la maison. Tu viens m'aider? Karma? Oui, bien sûr. Je laisse la parole à notre bénévole de la maison de quartier, Switch Stein. Elle a mis en place une salle informatique pour les habitants du quartier. Ouais. Merci, Madame Washington, mais j'ai eu de l'aide. Merci d'avoir été là pour moi. C'est normal, Switch. Quand je suis avec toi, je suis... Oh, ça y est, j'ai enfin trouvé ce qu'était mon paradis. J'ai tellement essayé tout ce week-end de savoir quel lieu je préférais. Mais une fois détendue et concentrée sur mon ami au lieu de mon poème... Bon, bah dis-moi, c'est quoi ton coin de paradis? Merci, Switch. C'est grâce à toi que je suis plus en panne d'inspiration. Hey, j'ai récupéré mes pouvoirs. J'ai douté rien qu'une minute, je reviens pleine d'espoir. Question, l'endroit que je vois comme paradisiaque, je réponds partout où est ma podcast, elle éclate. Elle c'est Switch, alliée à jamais, un style fantastique. Aurait
te retrouve piégé par la page blanche. Prends un peu de recul avant de prendre ta revanche, ouais. Mon paradis, c'est toi, peu importe l'endroit. Et l'amitié, c'est ça. Tu peux compter sur moi, je peux compter sur toi. Toi, on ne te remplace pas. Le trésor est peut-être sous le gros rocher, mais l'un de nous doit aller là-bas pour le vérifier. Pas moi! Pas moi! Pas moi! Oh non, mais c'est moi qui dois y aller! Mais... Switch, je sais que tu peux le faire! T'as le rythme dans la peau! C'est ça, Switch, c'est bien! Fonce, vas-y! Ok. 6, 7 et 8! Wow. Super, c'est bon, Lizzie! Ben voilà, maintenant faut qu'elle frime. Ouais! Ouais! Ouh, Switch, super. Tu es la meilleure! Y'a pas de trésor. Oh! Mais y'a un autre symbole! Et encore une partie du poème! Y'a écrit quoi? J'aime ce qui se passe dans la rue et les pas entendus sur le béton des rues. Mon quartier a son propre rythme, mais quand on y est, le son qu'il fait, c'est celui d'un air doux que l'on siffle. Un air doux que l'on siffle. C'est parti. Tout d'abord la rythmique marquée par les baguettes de ma copine Switch. Les rimes et l'accord, et ça c'est ma partie. On va devenir des stars, c'est moi qui vous le dis. Ouais, franchement, c'était super ça. C'est vraiment incroyable, Karma. La fête du collège Peachtree aura lieu vendredi et nous organisons un grand concours. Faites une vidéo dans laquelle vous nous dites ce que vous aimez le plus sur notre école et vous pourriez gagner un trophée. Est-ce que tu penses à ce que je pense? On pourrait écrire une chanson et tourner le vidéoclip le plus incroyable au monde. Ouais. Et on pourrait porter des tenues assorties. Et on pourrait aussi faire une choré super cool. Et on pourrait porter des perruques et des diadèmes. Et faire du roller et... Respire, Switch. Merci. Voilà ce à quoi j'ai pensé. Tu devrais écrire une lettre à tes parents. Bien sûr. Chère maman et papa. Non, pas comme ça. Pourquoi pas? Je sais. Non, ils comprendraient pas. Non, pas ça non plus. Je crois que t'as mal orthographié, violon. À mon avis, je devrais utiliser une approche différente. Que penses-tu de faire une vidéo? Moi, c'est ce que je ferais. Je sais pas trop, Winston. La vidéo de la révélation du secret de Switch, prise 1. Très bien, tout le monde, en place. Je veux dire, action. Salut, maman. Salut, papa. En fait, le truc, c'est que... Disons que... Est-ce qu'on peut recommencer? Prise 2. Chère mère, cher père, je tiens à vous dire que je suis... Prise 67. Prise 112. Prise 319. De chips au piment. J'arrête, j'abandonne. Je serai jamais capable de dire à mes parents ce que je veux vraiment jouer. Wow, Switch, je n'avais pas compris à quel point ça te bouleversait. Ton interprétation est tellement puissante. Je pense que ça doit être plus facile pour moi de... de montrer ce que je ressens avec ma musique. Parfois c'est dur de parler de ce que tu ressens et personne te comprend, donc comment tu t'y prends? Quand les gens veulent que tu t'exprimes à leur manière, comment dire ce que tu penses sans aucune barrière? Sois toi-même, dis ce que tu penses à ta façon, ouvre ton cœur à ton art, certains comme moyen d'expression. Vas-y, c'est la bonne direction, pour moi ça passe par le rap. Pour Winston, c'est les vidéos. Unissons nos passions et créons un sentiment nouveau. Oui, c'est Switch, elle fait partie de l'élite. Avec son violon, elle transcende le beat. Oui, c'est Switch, elle fait partie de l'élite. Avec son violon, elle transcende le beat. Quoi que t'aies sur le cœur, quelles que soient tes idées, il n'y a rien que ton art ne puisse exprimer. Quoi que t'aies sur le cœur, quelles que soient tes idées, il n'y a rien que ton art ne puisse exprimer. Ouais. C'était